Eh bien, bonjour à tous, je sais que vous êtes tous très très bien. Épisode numéro 52 de notre Let's Play sur Pokémon Volta White 2 Redux, les gens. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Eh bien, on se dirigeait tranquillement vers la forêt blanche et en plein milieu, on a été emporté par la nouvelle quête inédite, du coup, autour de Belladonis et de probablement le Dialga et Palkia. Voilà, donc ça m'a l'air d'être. D'être intéressant, et là du coup on doit se rendre ici pour combattre Cynthia, parce que tant que on n'a pas battu Cynthia, et bien sa grand-mère nous refuse de nous donner l'orbe Adamant. Donc du coup voilà, mais là on a le rival juste ici, hein, tout de même, donc le rival on l'affronte normalement ici de mémoire je crois. Quoi? Ce n'est pas parce que je suis ici, parce que si ce n'est pas parce que ce n'est pas comme si, voilà, c'est pas comme si je suis venu ici parce que j'ai entendu des rumeurs au sujet de Cynthia qui est venu ici et que je voulais challenger ou quelque chose. Hein. Je suis ici pour compléter le Pokédex. Ouais. Regarde, il se prouve que Canavit. D'accord. Elle peut attraper n'importe quel Pokémon de manière instantanée, mais elle est très très rare. Si ce n'était pas pour toi, je ne voulais pas, je n'aurais pas trouvé, enfin je n'aurais pas, si tu n'avais pas été là quoi, je n'aurais pas trouvé le chaque-lépant de ma sœur. Oh, devrais-je dire son Leopardus. Ok. Ok, vas-y go. Petit combat d'échauffement contre le rival du coup. Alors, j'espère s'il donne la Master Ball dans le jeu normal. Peut-être en vrai. C'est impossible. Et les Dell. Niveau... Bon, en fait, c'est niveau 80, donc le combat va être. Ah! Hurler, Bomb Burst. Bah, bon, ok, le combat n'a pas l'air très compliqué. Hein. Ah! Voilà, je me suis fait carmer le cul. Merci à tous, ça fait plaisir. Electros reste. Est-ce que je vois Mewtwo pour prouver sa suprématie? Probablement. En plus, il va prendre ce heal. Voilà. Là, je pense que Mewtwo il sweep, hein, très clairement. Il n'y a rien qui vient dessus là. En plus, j'ai 10 niveaux d'avance. Ouais, non, c'est GG. Hein. C'est simplement GG. Ah! Alors par contre ça j'ai pas prévu le coup ça, je l'avais pas prévu ce... Bon par contre je le dépasse quand même, hein. Merci les IV hein, que j'ai donné, enfin les EV que j'ai donné pardon. Upside Strike, même s'il est pas... Même s'il est plus combat, ça va quand même tuer je pense. Hein. Voilà. Et Starmie. Eh Starmie mine de rien je le touche pas super efficacement, enfin je le touche même pas neutre. Ouais mais ça tue quand même. Hein. Ça tue quand même bien sûr. Et c'est GG, bon bah voilà. Ah non me. Juste ma gueule. Hein. Je suis réellement fier. Enfin je suis réellement ravi que tu sois mon ami. Insolent. Laisse-moi me présenter. J'étais dans les papiers de Gettys avant qu'il s'en aille. Ouais, et avec celle-là, tu peux lire les anciens scripts des ruines abyssales. Ok. Ouais, plonger, ouais. Oui, j'imagine que dès que je reviens, ça sera plus là. Ça m'étonnerait. Ah si. Bon, du coup, Cynthia. Spiritomb, je pense que Crocorrible est pas mal. Hein. Ok.
Ah oui. Oh, salut! Ça fait un moment qu'on ne s'était pas vu. J'ai l'impression d'être devenu le nouveau champion du vice, hein, le Kelec. Ouais, t'es ici à propos des runes abysses, ouais. Je loge dans la villa de mon ami tant que je. En attendant que je termine d'investiguer cela, ouais. Mes Pokémon sont excités de combattre les tiens. Peux-tu être mon opposant? Mon adversaire, oui. Avant que je l'envoie à mes Pokémon. Mon cœur bat toujours à Chamal, entre guillemets, c'est ça. Cela sera si fun. Pas de barrière. Ok. On va être un niveau très élevé, je pense. 95, je dirais. Ouais, c'est ça, 94. Donc là, c'est un vrai défi. Alors attention, ce que c'est Spiriton Will-O-Wisp, est-ce que c'est quelque chose comme ça? A voir. Earthquake de HKO, j'imagine. Faut que c'est Spiriton, après, faut se méfier. De HKO et Will-O-Wisp, ok. Donc Crocorib sert plus à rien. On va switcher. On va envoyer Majaspic. La confuserait, ça m'arrange pas. Hein. Au pire qu'au je le sacrifie, non? Confuserait, Will-O-Wisp, c'est bien de la merde, hein, en tout cas. Des plaisirs. Bon. Allez, Dracométéor. Est-ce que ça tue? Je suis même pas sûr. Auto de fenêtre, je pense même pas que ça tue. Si. Ou critique. Ah, est-ce que ça a joué? Très honnêtement, c'est possible. Milobulus? Mais pourquoi t'envoies Milobulus sur. Après, t'as laser glace, c'est sûr, mais tu as tempête de verre, tu vas mal le vivre. Hein. Même pas certain que tu tiennes. Hein. Je sais que j'explique que t'as pas très fort, mais faut peut-être pas sous-estimer quand même. Hein. Respectez-le quoi, merde. Respectez-le quand même, merci. Respectez-le. Ah, Lucario. Bah, Lucario pour le coup, il tenait. Hein. Il tenait les attaques. Hein. Pas plus 2. Hein. Plus 4, je pense qu'il tient le Dracométéor. Ah, mon avis, et puis en plus, il a Ice Punch, c'est complètement con d'avoir eu Yotic avant. Est-ce qu'il a Ice Punch ce Lucario? Focus Sash? Bon, déjà il a. Non, c'est pas Focus Sash, mais déjà il a Ice Punch, donc c'est complètement con de l'avoir envoyé, à moins que je meure pas. Bah, c'est complètement con d'avoir. Au moins, elle a sacrifié son Milobulus qui était très chiant. Et Torbe vise Lucario. Donc, du coup, au moins c'est fait quoi. On voit Échandelure naïvement. Et puis Milotic de toute façon. Après, il y a Karchakrok, attention. Autogekiss. Hein. Ça devrait aller. Après, j'imagine qu'il a cage éclair. Hein. Il a juste R-Slash en fait. Non, il a cage éclair. Ouais. Bien ce qui me semblait. Hein. Voilà, coup critique. C'est bien fait. Franchement, c'est mérité. Hein. Karchakrok 96, il était niveau 100 dans Volta White 1. Petit Will-O-Wisp brûlure hein? Non, ok. Bon, ça aurait vraiment été du axe pour le coup. Hein. Donc on va dire qu'on va pas trop en demander non plus. Bon, il se fait défoncer. Ah, mais après, il doit avoir la Yash Berry. Je vois pas dans quel monde il n'a pas la Yash Berry, le Karchakrok. Ouais, je connais. Il fait quand même mal, hein. Ah oui. Ah, ça tue.
Ah, faut pas rigoler avec Mewtwo Orbe Vie, hein. Ah non. Et Roserade qui va se faire déglinguer. Qui va se faire déglinguer, tout simplement. Annihilé par le Psy Strike. Tout simplement. Ah, il est focus. Elle a 3 focus sash, hein. Je ne laisserai pas tomber un combat si fun aussi facilement. Bah si, c'est lui. Ah, c'est fou. Elle avait 3 focus sage dans sa team, quoi. Il est vraiment un très bon dresseur. C'est au-delà de mes espérances. Quel combat exceptionnel. Je suis sûr que t'as... Je suis sûr que ma grand-mère reconnaîtra tes talents après ça. J'ai d'autres ici le printemps et l'été. Je peux pas rester ici toute l'année parce que ben le reste du temps je dois aller à Sinnoh quoi. Tu es un dresseur, tu es un très bon dresseur. Et je serais ravi de te voir et, de temps en temps. Enfin, je serais ravi de te voir encore de temps en temps. Ah bon? Et on va leur parler, on n'est pas des animaux. Oui. Bonjour. Et là, je pensais que si t'as... Demander l'âge des filles. Faut pas demander l'âge des filles, c'est pas poli, quoi. Voyons. Bon écoutez, je me rends à la route Victor, on se retrouve quand c'est fait, tout le monde de suite. Et bien du coup nous revoici devant elle. Bah oui. Oh qu'est-ce que, tu étais capable de vaincre Cynthia? Vous êtes en effet très fort. Je peux te confier, enfin je peux te confier donc de manière, enfin je peux te donner sans crainte, enfin je peux te, enfin je, ouais j'ai confiance en toi pour que tu prennes soin de l'orbe d'avant. Ah oui. Il y a quelque chose d'autre que tu voulais? Ah je vois, tu souhaites en savoir plus au sujet des perturbations temporelles. Je suppose que c'est seulement naturel, vu que je te donne l'orbe. Et le gars est connecté de manière intime à l'orbe Adamant. Si Zyaka devient agité, des personnes... l'orbe Sim, ok, oui. Et que des personnes utilisent l'orbe pour faire des problèmes, pour créer des problèmes temporels, ouais. Mm. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Amener l'orbe au Nexus Point neutralise ses effets. Mon équipe et moi sommes en train de l'étudier. Sommes en train d'étudier pour son monitoring, en train d'étudier pourquoi c'est le cas. Une tâche rendue plus difficile par le fait que tu as récupéré l'orbe. Ouais. Excusez-nous s'il vous plaît. Oh, j'ai obtenu l'orbe d'Amon, très bien. S'il vous plaît, rejoins-moi à l'office, on a besoin de discuter. Ouais, ouais. T'inquiète pas, nous pourrons progresser dans notre recherche même sans l'avoir d'avance. De toute façon, ça restera en sécurité. Okay. Ouais, super, j'aimerais bien passer. Merci.
Dernière case, quoi, sérieusement. Ok. Bon, du coup, on va rejoindre Belladonis à son truc, là. En vrai, je pourrais faire une coupure ici, mais bon. Vous savez, hein, c'est plus authentique de pas faire de coupure, quoi. Le mec qui dit ça alors qu'il en a fait une juste avant, mais bon. C'est pour... J'ai vraiment fait ça, alors que j'ai besoin de Nostorfer. Voilà, c'est pour ça que, du coup, les coupures, ça sert à ça. Enfin, de faire des coupures, ça sert à ça. Ça permet de pas passer pour un con. Oui. C'est tout naturel. Ok. Bon, pour l'instant, c'est pas trop ce qui va se... En plus, on a récupéré l'orbe adamant, mais on n'a pas récupéré l'orbe perlé, hein, donc en vrai... Et s'il faut aller, je crois. C'est 11 sur mer. Ah, c'est là. Du coup, voilà, faut rester prudent, quoi. Merci d'être venu ici. Non, mais oui, je sais, mais c'est pas peine de me dire la même chose à chaque fois, quoi. Excellent travail, partenaire. Tes talents. Je suis ravi que je puisse compter sur toi. Bon, ça, Carolina et sa team recherchent, sont en train de faire des recherches sur le Nexus Point. Hein. Mm-hmm. Donc, c'est connecté intimement à Diego et Palkia. J'ai l'air de calmer Diego. Ça marchera jamais, tu sais. Enlève le fait de ces pensées troublantes de ton esprit immédiatement. Nous allons essayer cette théorie pour le bien de notre monde entier, ouais. Si nous... si nous étions juste... Le mec au café, c'est juste le début, quoi. Désolé à propos de ça. Nous avons besoin de trouver un différent Nexus Zone pour mener à bien notre but. Mais où voulons-nous obtenir ces informations rares? Ah oui, mais bien sûr, c'est brillant. Il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin concernant ce sujet. La crène, c'est quoi? C'est Maillard, c'est ça? La crène museum. J'ai l'instant faire ce mot ou pas? Évidemment, je l'ai pas. Je suis vraiment un connard, hein. Pardon, excusez-moi. C'est l'émotion. L'émotion qui me lâche des mots comme ça, hein. Je devrais pas. Hein. Et du coup, Nakren, c'est Maillard. Je suis bien d'accord. J'imagine que oui, hein. Je dis ça, j'en sais rien. Mais musée, il y a Maillard, quoi. Nakren, c'est ça. Allez, ouais, j'ai eu quelques retours sur ma recherche du Nexus Point et nous parlons de ça dehors, bien sûr. Ah non, pas ici, non. Qu'est-ce que tu veux faire par ici et voir ce qu'on peut trouver? Une double paire de yeux peut être décisive.
Qu'est-ce que je lis? C'est un bouquin au sujet de... des contributions fantastiques de la science pour UNIS. Ouais. Il y a tout ici, comme le voyage dans l'espace, le jeu d'origine Pokémon, et pourquoi nous rêvons, ouais. C'est fascinant. Ah, mon ami, c'est toi. Qu'est-ce que nous avons ici? Un lecteur, sans aucun doute. Donc, bouquin par... Du rêve du Nice, c'est une rêve du Nice. Ok. Avec tout le savoir, ouais, c'est bien. C'est cet homme, hein. Ouais, je le finis juste de le lire. Vous pouvez l'avoir, hein. N'oubliez juste pas de me le retourner, quoi. J'essaie de comprendre en même temps parce que trop traduire c'est vraiment c'est chaud. Hein. Beaucoup de Nexus Points sont cachés du public, pour la sécurité du public. Ouais. Pendant quelques célèbres Nexus Points sont la Miss Tralton Cave et la Route 18. Rencontrons nous à l'Israël Cave aussi possible, enfin aussi rapidement que tu peux. Au revoir. Là, si je lui parle, il y a. Ok. Donc, Mistralon's Cave, vous allez où? Elle est où la Mistralon's Cave? Quelle grotte ça? Grotte électrolyte peut-être? Non. Ah! Mais c'est. Comment on peut aller là? Acrobat avec moi? Oui. On va voir. Pourquoi il en retourne. Ah ouais, il y a vraiment une vraie quête en fait. Hein. Ça prend du temps quoi. Ça prend du temps à être conduit quoi. J'ai dit qu'il faut que je passe par là. Et c'est à la sortie de ça que. Il y a la grotte, non? Attends, non mais qu'est-ce que... Mistralon's Cave, c'est pas du tout là, en fait. C'est la grotte où il y a Cobaldium, non? Je me trompe, en fait, d'endroit, non? Oh, je me trompe d'endroit, en fait, complètement. Merci à tous. Eh bien, d'accord, hein. Et ça, hein. Mais j'en fous de la charge Stone's Cave. Hein. C'est pour ça qui m'intéresse. Ouais, c'est ça. Ok. Ok, je me suis gouré. Merci.
Merde. Je me suis encore trompé. Où est-ce que je dois... c'est par là. Et du coup, vous sentez une puissante sensation, pensée de temps. Ok. Ok, ok. Je suis ravi de te voir ici, en effet, nous avons besoin d'être rapides. Je n'attendais pas moins de mon partenaire de confiance. C'est le moment d'invoquer Dialga. C'est l'endroit, sens-tu la pression? Bonne chance, mon jeune partenaire. Ah ouais, c'est... Tu dois le vaincre ou l'attraper, maintenant. Tiens, spoilers. Bon. J'espère juste que sur le Switch, il va pas me niquer. Hein. Ah, ça va. Bon, heureusement, je peux glaire. Et là. Il n'y a plus qu'à prier, quoi. Attendez, il a un taux de capture réduit pour l'event ou j'ai juste eu. Ah, une chance monumentale. Je pense que j'ai ma petite idée. Il va avoir une chance monumentale. Ah non, peut-être pas en vrai. Bon, on va pas reroll sa nature ni quoi que ce soit. D'accord, mais là du coup je me dis qu'il va falloir faire la même avec Palkia peut-être. Excellent travail, je te remercie pour ton assistance. Il semblerait que Dialga ait été calmé, mais il y a un problème. Il y a un problème. Cela laisse une question évidente. Qu'est-ce qui a causé l'agitation? Enfin, qu'est-ce qui a causé le fait que Dialga devienne agité? Et on retourne à son office, bien sûr. Vas-y, moi j'utilise le corps sorti, j'en ai plein le cul. Hein. Et du coup, on rediscute avec lui. Et j'ai pas pris Crobat avec moi parce que je suis un connard. Oui, tout à fait, oui. Écoutez, on se retrouve après. Hein. A tout de suite, tout le monde. Bien, tout le monde, nous voici de nouveau dans le. Enfin, chez Benedis. On va écouter du coup ce qu'il a à dire. Grâce à ta résolution, Dialga, avec ton face à face, Dialga, nos problèmes temporels sont maintenant derrière nous, mais... Je crois que pour ce moment, Unis peut souffler tranquille, hein, peut souffler facilement. Mais est-ce le moment pour la célébration? Non. Il y a toujours le cas de Palkia. Eh oui, l'orbe perlé, ouais. Ouais, j'ai compris. Nous savons que la route 18 est un nexus point, mais ouf. Le ou n'est pas une issue.
Nous avons besoin de récupérer l'arbre et cette tasse que je te la confierai. Où est-ce que nous devons, où est-ce que nous devons commencer, tu dis? Je n'ai pas vraiment de plan à suivre pour ce, sur le sujet. Récemment, des choses étranges, enfin, une étrange femme est apparue soudainement au Twist Mountain, ou en forêt, du coup. Un événement inhabituel, hein. J'ai entendu parler que sa famille était en possession de l'orbe perlé. C'est comme si que l'orbe perlé était, était sur cette personne quand elle a été, téléportée. Et du coup, j'ai un plan que... Je suppose mon père, je me rends sur Route 18 immédiatement. Et je check l'endroit, quoi. Toi, mon portail inestimable, tu vas aller au mont forêt, trouver cette femme en bleu et acquérir l'orbe perlé d'elle. Une fois que tu auras l'orbe perlé, tu me reviendras et tu me trouveras à la route 18. Et donc, en attendant que nous nous rencontrerions, nous allons nous rencontrer de nouveau. Au revoir, monsieur, ciao. Bon, bah, au moins on a le plan à suivre pour la prochaine épisode, pour la prochaine épisode, bien sûr. C'est très français. Est-ce que le mountain c'est bien mon forêt du coup? Oui, c'est bien mon forêt. Donc, du coup, ça sera ici qu'on aille. En plus que mon forêt, on l'a pas visité du tout dans le jeu en fait. Hein. Donc, ce sera vraiment inédit pour le coup. Bon, je pense que Let's Play va dépasser PDM Explorateur. À mon avis, la quête a l'air d'être sacrément longue là. Donc, à mon avis, on va dépasser le Let's Play d'Explorateur en termes de longueur. Ce qui ne me dérange pas, hein, bien sûr. Mais c'est quand même un petit événement. Je pensais pas que ça allait arriver un jour. Mais comme quoi. On s'attendra à tout. Épisode 52 du coup celui-là. Hein. Let's Play d'Explorateur faisait 55 épisodes. Donc il reste encore 3 épisodes potentiellement où il pourrait ne pas se dépasser, mais ça m'étonnerait parce que l'épisode ce sera la ligue numéro 2, donc déjà ça prend un épisode. On a la quête là. Qui se va se terminer peut-être dans le prochain épisode, mais c'est pas sûr. Après il y aura les endroits qu'on n'a pas visités. Encore, ça se prendra un épisode. Donc en fait, minimum, Let's Play sera aussi long. Mais le fait que la quête ne se termine pas dans le prochain épisode, c'est probable. Donc en vrai, tout est possible quoi. Tout est possible et surtout on n'a pas regardé quelle était la nature de notre Dialga, bien sûr, hein, qui doit être extraordinaire, hein, cela va sans dire. Gentil, c'est nul, hein, voilà, c'est nul, hein, c'est très très nul. Hein. Mais bon, on s'en fiche, on n'était pas là pour le mettre dans la team, le Dialga, pour le coup. Très bien. Eh bien, écoutez, en espérant que cet épisode vous ait plu, si c'est le cas, eh bien, je suis content, déjà. Mais n'hésitez pas à me faire part en laissant un pouce bleu. Ainsi qu'un commentaire, si vous avez des choses à dire. Et on se retrouve, du coup, la prochaine fois, donc dans une semaine, pour l'épisode numéro 53 de notre Let's Play, oui, sur Pokémon Volt White 2 Redux, les gens. Sur ce, ciao, bye.